désert d'Arabie. Un vaste océan de dunes mouvantes et de rochers brûlants. Sous ces étendues de sable, du pétrole. L'or noir, le sang de ce siècle mécanique. Depuis plus de 4 siècles, les Ottomans règnent sur ces terres, contrôlant tout ce qu'elles recèlent. Mais certains s'opposent aux Ottomans. De petites bandes de rebelles bédouins se sont unies pour renverser l'Empire. Ces hommes frappent par surprise, puis s'évanouissent dans le désert. À leur côté, un officier britannique dont les exploits lui ont valu un grand renom. Le monde entier le connaît comme Lawrence d'Arabie. Dans le désert, il faut prévoir avec soin, mais compter aussi sur la chance. Elle était à nos côtés lorsque nous avons appris qu'un train ottoman, qui avait récemment déraillé, transportait une cargaison très intéressante. Une petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Un combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi. Il peut se déplacer sans être vu. Tribus combattaient de manière peu conventionnelle, avec des armes qu'elles connaissaient bien. Leurs principaux atouts étaient l'endurance, l'intelligence individuelle et le courage. Kaygılanmak. Lorsque l'ennemi possède de meilleurs équipements et de meilleures armes, il faut les lui voler.
dépose-moi. Parfait, c'est fini. Tu ne t'attendais pas à ce que nous soyons aussi rapides pour te rattraper, n'est-ce pas, Laurence d'Arabie? Au contraire. J'espérais justement que vous le feriez. Hé, Laurence! Tu manques pas de ressources. Le chasseur est devenu la proie, on dirait. Et toi, qui es-tu? Ah, mais tu es ravissante, ma petite. Ravissante? Amen. Une femme qui serait libre sans des hommes comme toi. Libre? Tu seras libre quand tu mourras. Et laisse-moi te dire une chose, l'Empire a l'intention de vous offrir à tous cette liberté. Très bientôt. En ce moment, une terrible machine de mort écume ce désert. Elle élimine vos alliés, vos familles, maison et tous vos refuges. Bientôt vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part où vous cacher. Bientôt tout votre monde, tout ce que vous aimez, disparaîtra. Alors vous serez libre de mourir. Espèce de folle, Zara! Je sais bien que rien ne te rendrait plus heureuse que de lui arracher lentement la peau des pieds et de le laisser nu dans le désert, encourir une mort certaine. Mais avant, réfléchis. C'est vrai. Je suis désolé. Mon ami est parfois un peu brutal. Tu vas m'expliquer comment envoyer de faux ordres. Nous allons attirer ton train dans un piège et le détruire. Impossible. Pour établir une liaison avec ce train, il te faudrait un livre dans tous les codes de communication. Oh, un utensile là, peut-être. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès des machines. Un jour, le reste du monde vous enlèvera vos terres et s'emparera du précieux or noir qui dort sous le sable. L'avenir nous le dira, mon ami. Obtenir ce livre de code ne suffisait pas. Pour détruire ce dragon de fer, ce canavar, comme l'appelaient les Ottomans, nous devions lui envoyer 3 messages chiffrés, lui en donnant de baisser les armes. Il y avait des avant-postes ottomans le long des voies ferrées. Leur commandant avait des capsules de messages prioritaires. Nous en avions besoin pour envoyer nos ordres, sinon le train les refuserait. Le village ne serait pas facile à infiltrer. D'autant plus qu'un détachement de soldats ottomans y résidait. Les Ottomans ont établi un avant-poste dans le désert. Il n'est que peu défendu, mais renferme de nombreux véhicules et armes. Ils ne s'attendent clairement pas à une attaque. Ces équipements sont utiles si tu décides de t'en servir. Ces ruines antiques sont les derniers vestiges d'une civilisation disparue. L'Empire ottoman y a implanté le monde moderne sous la forme de véhicules blindés et de canons. Trois commandants à éliminer. 3 capsules personnelles à voler et à expédier avec nos ordres falsifiés. C'était à Zara de décider comment elle mènerait cette mission périlleuse et audacieuse.
adoraient leurs chevaux. Et en retour, ces animaux offraient à leurs cavaliers une vitesse et une mobilité sans pareil. Prévoyait que le train n'obéirait qu'à un message envoyé en triple exemplaire.
Her gece de olur mu ya? Ya Rabbim, bizim şu yüzbaşının kafaya inse bir şaraplar. Ne olur ya. Entièrement sur les capacités de Zara. Mais j'étais certain qu'elle saurait se débrouiller. Yeah.
tu vois, le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Et alors, hein, c'était si accueillant. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à m'enfuir. J'ai pris soin de noter l'emplacement du campement de Laurence, bien sûr. Ce qui veut dire que le train le connaît aussi. Deux fois, tu as annoncé au train que tout allait bien, mais... Tu lui as dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. Et il va venir vous exterminer, toi et ta petite bande de rebelles. D'abord, la tempête de feu de l'artillerie. Et puis, le tour des soldats pour passer à l'assaut pour achever les survivants. Ne cessera plus de nous traquer maintenant. Non, en effet. Laisse-moi réfléchir. Le train viendra d'assez loin. Il fera donc un arrêt pour se ravitailler en eau et c'est là qu'on devra intervenir. D'accord. Je m'occuperai des sentinelles et je poserai des explosifs sur les rails. Et moi, je rallierai nos hommes. Quand la voie aura sauté, le train sera coincé. Donc à l'instant où tu entendras l'explosion, tu devras déclencher l'assaut. Mais garde à l'esprit que nos hommes ne viendront peut-être pas. Il est probable qu'après le déclenchement de l'explosion, tu te retrouves toute seule. Est-ce que t'en es consciente? Mais de toute façon, je ne le saurai qu'après l'explosion. Bokluk çıkıyor ya, he mi? Havadan tutan muhabbet gitti galiba. Ulan bütün uzuklara çekeceksin bir duvar. Sonra hiç böyle uğraşmayacaksın. Kafayı mı üşüttün lan? Hudutlar fazla engin, ondan olur. Tedbirli olmak lazım gelir. Yoksa sonumuz romanlara benzer.
Kafam böyle hayat dolu be. Zaten kabak hep benim başıma patlıyor. Aller s'occuper des soldats présents dans le village avant de pouvoir espérer détruire le train. Ayaklarım buz kesti. Hep şu gemilerin suçu bu hal. S'occuper des soldats présents dans le village avant de pouvoir espérer détruire le train.
dik kafalılık yapma oğlum! Kesin! Hazır ol. Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait. Yeni zekâdının biri bizimle kafa buluyor. He ya. Bak, seni ne kadar çok ararsam o kadar çok asabım bozuluyor. Ben yorma kafanı. Bak seni ne kadar çok ararsam o kadar çok asabım bozuluyor. Kendine bir faydan olsun. Teslim olursan yaşarsın. O domuzu çıkartmaya gayret edeceğim. Hazır ol. Ben senin dostun.
dışarı! Çık lan domuz! Hadi lan! İst olur! Teslim ol! Saklanarak nereye kadar? Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait. Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait.
toi, mère. Comment est-elle pour toi, Zara? Dis-moi, tu t'y connais un peu en bataille navale ?